Aya Nakamura a été attaquée sur les réseaux par un groupe d'ultra-droite à propos de son éventuelle prestation lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Le collectif identitaire Les Natifs a manifesté à Paris samedi soir pour s'opposer à ce que la chanteuse performe. Les militants tenaient une banderole sur laquelle on peut lire « Y'a pas moyen Aya, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako », en référence aux origines maliennes de l'artiste française. La publication sur X a été accompagnée d'un texte qui reproche à Emmanuel Macron de remplacer l'élégance française par la vulgarité, d'africaniser nos chansons populaires et d'évincer le peuple de souche au profit de l'immigration extra-européenne. Quelle sera la prochaine étape? Une reprise du chant des partisans par Magic System? Aya Nakamura n'a pas manqué de répondre. Vous pouvez être raciste, mais pas sourd. C'est ça qui vous fait mal. Je deviens un sujet d'état numéro 1, débat, etc. Mais je vous dois quoi en vrai? Que dalle. Pour remettre dans le contexte, fin février, le magazine L'Express affirmait que la chanteuse s'était entretenue avec le président de la République en vue d'une prestation lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024. Il était même question que la jeune femme interprète un titre d'Edith Piaf. De nombreux artistes comme Dadju, le rappeur Esprit Noir ou encore Dossé ont également apporté leur soutien à Aya Nakamura sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on est en retard ici. Vous lynchez la plus grosse artiste du pays avec des arguments de CM1. C'est pas Bamako, bande de chiens. Mais ce n'est pas tout, elle a également reçu le soutien de plusieurs personnalités politiques telles que la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, le premier adjoint à la mairie de Paris Emmanuel Grégoire ou encore le député de la France Insoumise Antoine Léaumont. Pour le moment, ni l'Elysée ni la chanteuse n'ont confirmé cette participation. C'est vrai qu'on est dans une société où la haine est présente. Prenons le cas d'Aya Nakamura. On peut ne pas être d'accord pour qu'elle chante une chanson lors de l'ouverture des Jeux Olympiques. Bon, mais elle se fait insulter. Ouais, c'est terrible. C'est d'un racisme honteux, scandaleux, disons-le. Oui, donc c'est une présence qui ne fait pas l'unanimité. Elle est Aya Nakamura. On caricature son écriture, on caricature. Alors simplement, c'est du rap, c'est une écriture d'aujourd'hui. Je vous dis pas que c'est Mallarmé, je vous dis pas que c'est Verlaine, non plus. Elle ne le dit pas d'ailleurs. C'est un type de chanson française. Manifestement, c'est toujours pareil. Le talent, c'est de plaire. Elle plaît. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, que ça me plaise ou que ça me plaise pas, c'est pas le sujet. Ce qui est injuste, elle a son public. Ce qui est injuste, c'est qu'elle est pas connue du tout pour avoir déjà craché, vous savez, sur France, etc. Voilà. Elle n'a pas fait ça, en fait. Bon, et donc, chacun y va de son avis. Alors, il y a un sondage Odoxa, présence d'Aya Nakamura pour la cérémonie. 63% des Français pensent que c'est une mauvaise idée. D'autres, 35% pensent que c'est une bonne idée. Mais il y a un groupuscule d'ultra-droite a posté sur les réseaux une photo d'une banderole tendue par une dizaine de ses membres sur les bords de la Seine. Il n'y a pas moyen, il y a ici, c'est Paris, pas le marché de Bamako, peut-on y dire. C'est horrible. Oui, c'est horrible. Voilà, c'est horrible. C'est un véritable scandale parce que cette femme a du talent. Et en tout cas, elle a son public. Et quand je dis le seul talent, c'est de plaire, dans ces métiers-là, c'est le seul talent. Surtout qu'elle a la très bonne idée de vouloir chanter Piaf. Oui. Donc convenons et que... Rien que pour ça, je pense qu'elle devrait avoir une petite place dans la cérémonie d'ouverture. Que notre société, c'est des choses qui n'existaient pas il y a 40 ans. Elle n'était pas la société sur les réseaux sociaux, ça n'existe pas. Oui, mais la société n'est pas polarisée de cette manière-là. Non mais attendez, je conçois, d'accord, les 63% des Français qui pensent que c'est une mauvaise idée, c'est pas des racistes, ceux-là. Non, vous avez raison, c'est autre chose, vous avez raison. Mais bien sûr, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'elle n'est pas la mieux placée pour chanter, que sais-je, ou une chanson de Piaf, puisque c'est Piaf qui serait à l'honneur ce jour-là. Ils auraient préféré Jean-Jacques Goldman. Mais il y a quelque chose d'insupportable aujourd'hui dans notre société. Ouais. Bon, Aya Nakamura. Je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse Aya Dans votre génération. Les attaques personnelles, mais s'il non, vous plaît. Bon, là, elle est moins connue dans votre génération que dans la mienne. Bon, bien sûr. Alors, elle pourrait rendre hommage à Piaf, bien évidemment. On peut écouter deux ou trois chansons de Piaf. D'ailleurs, il y a Miller, La vie en rose. Je ne sais pas ce qu'elle chanterait. Je sais pas la chanson qu'il faudrait chanter. Quelle est la chanson de Piaf qui La vie en rose? Oui, c'est Non, je ne regrette rien. C'est curieux de chanter Non, je ne regrette rien. Il n'y a pas une chanson sur Paris? Comment? Il n'y a pas une chanson sur Paris? Pendant ses bras, il me parle. Moi, je peux vous lire. Je vous lise des paroles de Aya Nakamura. Ah oui, Dja. Hello papy, ma qu'est pas ça? J'entends des bails atroces sur moi. À ce qui te paraît, je te cours après. Oh yeah, yeah, yeah. Oh dja, y'a pas moyen, dja. Je suis pas ta catin, dja, genre en kachana, baby, tu dead ça. Oh dja, y'a pas moyen, dja. Je suis pas ta catin, dja, genre en kachana, baby, tu dead ça. Voilà.
C'est la nouvelle génération. Voilà. Quand je vous dis il y a un clivage générationnel au premier degré, c'est le rayonnement de la langue française dans le monde. C'est mal armé, ça, parce que on comprend pas tout de suite, mais il y a quelque chose. C'est la première artiste francophone dans le monde, donc c'est vraiment le rayonnement de la langue française dans sa beauté, son classique. Écoutez, non, je ne regrette. C'est surtout mal armé, on comprend. Regardez ça, c'est sublime. Non. Eh oui, je suis insomniaque ce soir, parce que je fais des vidéos. Celle-là, je voulais vous la passer parce que Pascal Pro, il s'est rattrapé là, c'est pour l'Arcom. Là, il a bien vomi sur l'extrême droite, cette fameuse extrême droite, ces jeunes de l'ultra-droite qui sont racistes, qui ont des discours de haine, etc. Là, il a mis le paquet. Et j'ai passé la dernière séquence, c'est une séquence plus ancienne qui précède celle que vous avez vue, où il se déverse sur le... où il se soulage, il soulage sa conscience en crachant sur l'extrême droite, ça fait du bien à tout le monde. Hein. Si vraiment vous avez mauvaise conscience, crachez bien sur l'extrême droite, les discours de haine, tout ça, ça fait du bien de se retrouver dans l'entre-soi, bourgeois de Paris pour cracher, et puis si on pouvait s'attirer comme ça les aimabilités ou les privilèges du pouvoir, ce serait bien, ou tout au moins, non pas les privilèges ni les aimabilités, mais au moins la clémence du pouvoir qui risque de supprimer CNews. Donc CNews, pour sauver sa peau, crache bien encore une fois sur cette extrême droite nauséabonde, les gens qui ont plein de haine, qui sont remplis de haine, mais les autres sont des anges merveilleux. Cette fameuse chanteuse a été condamnée avec son compagnon pour violence conjugale, mais c'est pas grave, c'est l'extrême droite. Non mais, c'est risible. Alors la dernière séquence, par contre, on sentait une forme d'ironie, et la chroniqueuse, dont j'ai oublié le nom, cite les paroles et on ne la reprend pas, on lui dit pas que ce sont une ironie d'extrême droite, on lui reproche pas de en pointant ses paroles d'avoir des propos racistes, parce qu'il y a quelque chose de raciste également, alors dans ce cas, à propos de cette chroniqueuse qui relève les paroles de cette chanteuse magnifique, de cet artiste magnifique. Donc vous voyez bien le virage que CNews est en train de prendre dans la démagogie goulinante du gauchisme, revendiquant toujours la différence, la beauté de l'étranger et tout ça, et puis fustigeant les pauvres petits militants d'extrême droite qui lèvent encore la tête, qui s'expriment. Cela, il faut les éradiquer. Donc cette société de délation, cette société... vraiment, quand on voit Pro, qu'est-ce qu'il peut dire sur la haine et tout ça, enfin vraiment là, il me déçoit énormément. Bon, il tourne sa veste comme parfois il le fait, et là je trouve que c'est lamentable ce qu'il a fait, cet exercice de dégouliner, de vomir, de gerber sur l'extrême droite comme il le fait, simplement parce que les gars, ils en ont marre de voir toujours les blacks mis en avant, et puis au détriment d'autres artistes qui peut-être auraient leur place. On est dans la pleine démagogie du vivre ensemble, et CNews qui est toujours là à pointer justement la question de l'immigration, et là d'un seul coup il virevolte en crachant, en se lâchant sur l'extrême droite pour dire, vous voyez, nous aussi on est contre l'extrême droite, nous aussi on n'aime pas ces gens d'ultra-droite. Vous voyez un peu la perfidie de ces attitudes qui sont ambivalentes, qui changent tout le temps. Comment voulez-vous leur faire confiance? Si vraiment demain il y a un conflit, s'il y a une guerre civile, ces gens-là vendront père et mère, c'est évident. La lâcheté du propos est évidente. Donc je vous laisse sur cette démonstration à nouveau d'un monde en déclin, d'une élite journalistique vendue au système. Ne nous y trompons pas, il faudra compter sur personne le jour où tout va basculer. Ces gens-là sont dangereux, ils se vendront toujours pour le pouvoir. Pourquoi ? Pour défendre leurs intérêts. Et tous ces va-t-en-guerre, soit dit en passant, n'iront jamais envoyer leurs enfants sur le front. Ils enverront vos enfants, mais pas leurs enfants. Ces gens sont odieux. Et vraiment là, je suis très en colère à propos de Pro, parce que là,
franchement, je trouve qu'il est, pour le coup, je le déconsidère et je ne vais même plus regarder ses émissions tellement cet exercice qui a été fait ce soir, non, là je dis, je ne marche pas, c'est trop facile. Trop facile. Vous voyez, c'est l'histoire du refoulement. À force de refouler, eh bien, là où c'est permis, vous pouvez dire tout ce que vous voulez contre l'extrême droite. Là, vous pouvez avoir la haine sur l'ultra-droite, tout ça. Là, il n'y a pas de problème, on ne vous poursuivra pas. Mais surtout, il ne faut rien dire. Il ne faut surtout rien dire si vous avez une artiste appartenant à la diversité. Alors là, il faut être respectueux et surtout ne pas s'exprimer. Voilà dans quelle société nous sommes. Eh bien, bravo.